Salut les gambas, ça fait super longtemps, regardez avec qui je suis. Salut les gambas. Voilà, avec Sarah, en fait on a une petite surprise, on est en train de faire un road trip à pied. Donc là on va dans une station de ski très connue, pour un festival de cinéma très connu. Mais voilà, on vous en dit pas plus. Ouais, on vous garde la surprise. Et là on est parti à 3h du matin, donc là on va peut-être regarder où on en est. A tout de suite. Voilà, nous voilà arrivés au festival de l'Alpe d'Huez. C'est un festival de films comiques. En fait, j'ai réussi à avoir une accred grâce à mon rôle dans Plus belle la vie et j'ai fait passer Sarah pour mon impresario, mon assistante quoi. Et donc là, il paraît que l'industrie du cinéma pollue énormément. Donc nous, on va venir un petit peu dénoncer ce qui se passe et surtout montrer l'exemple. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Avec plaisir, vous êtes là pour le festival? Ouais. Très bien. Quel est votre nom? Alison Raspail. D'accord, je vais garder les enveloppes. Merci. Coucou. Raspail, c'est ça? Oui, Raspail, comme le métro. Ah. Oui, enfin, à Paris, quoi. Hein? Ça se trouve, il connaît pas le métro Raspail vu qu'on n'est pas à Paris. Enfin, ça se trouve, il connaît, enfin, je ne sais rien. Je la trouve pas. Pardon? En fait, j'ai fait mon accrède directement sur le site. Sur le site du festival, les Arcs Film Fest? Quoi? Les arcs-filmfest.com? Ouais, le festival des films comiques. Alors, on a une section Playtime, c'est vrai, oui, mais il y a aussi une sélection auteur, il y a des films en compétition, c'est du cinéma européen indépendant ici. Et on a d'ailleurs une nouveauté cette année qui est le Green Lab pour réfléchir à l'écologie dans le cinéma. On va voir ça, ouais. Très bien. Très bien. Oui. Mais vous avez une accréditation? Vous voulez que je vous fasse une accréditation peut-être? Oui. Vous travaillez dans le cinéma? Oui, du coup. Oui, bien sûr. C'est Alison Raspail de PBLV. Plus belle la vie, quoi. Ah, d'accord. C'est Sarah, mon impresario, agent. Un peu tout, quoi. Ah, félicitations. Merci. D'accord, bah, je vais voir si c'est ce que je peux faire. Ok, et merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, merci. C'est un petit peu trompé de festival, vous l'avez vu, c'est pas grave. On va rester ici quand même, c'est juste qu'on n'a pas les bons outfits pour des actrices de films indés. Bonjour. Et là, apparemment, on doit aller dans une soirée igloo et on va y aller en luge. Donc bon point pour ce festival pour l'instant. C'est écolo, pas d'empreinte carbone. First point to Chris. Sarah! Mais ouais, moi je faisais. Vas-y, Sarah! Vas-y! Et toi, comme ça? Allez! Mais Sarah! Là, on est dans l'igloo bar. Pour l'instant, ça a l'air de répondre aux règles écologiques. Voilà. C'est impressionnant. L'igloo, c'est vraiment green. Bah, parce que déjà, il n'y a pas de chauffage. Et puis, la bière est plutôt bonne. Je crois que c'est une bière locale. Je sais pas trop. Et là, on est dans une petite grotte. Pas de panique. Tout va bien. C'était des fausses peaux de bête. Et voilà, moi je suis plutôt contente de notre première journée. Voilà, de toute façon demain on va continuer à détecter les green faux pas tout en étant irréprochable. Parce qu'on va aller sur les pistes demain pour un petit peu checker les... Ah!
pas de panique, c'était des faux cotons-tiges. Donc voilà, donc demain on va continuer à offrir notre expertise et analyser les green faux pas. Merci beaucoup, au revoir, à demain.